Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Bienvenue encore une fois, amis, fidèles auditrices et auditeurs sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Marcel avec vous pour ce passage de l'évangile de ce jour, de ce 29 novembre. À cause de mon nom. À cause de mon nom, eh ben, n'importe quelle situation dans notre vie de... N'importe quelle vie, hein, comme par exemple la vie, c'est la vie en général, que ce soit dans le boulot, dans la famille, dans dehors, hein, ou travers chemin, où on a la possibilité d'être en mode persécuté. Qu'importe le moment. Des fois, on dit un bon parole, on y arrive, tac, il claque à ou avec des autres mots. Mais. Est-ce que ça s'empêche à nous de dire la bonne parole, la parole du Christ, la parole du prince de la vie, la parole que tous les chrétiens, catholiques ou pas, hein, ils doivent faire cette expérience. Est-ce que à chaque instant, nous donne, nous agit comme Jésus nous réagit? Ben, des fois, nous a peur, mon père, la pluie tombée, mon père, une tasse à faire, mon père. Et la peur, c'est le contraire de la foi, on dirait. Et à chaque fois que nous les persécutons, mais à chaque fois, nous avons l'occasion de rendre témoignage. Et si nous prenons vraiment notre foi, le Christ, notre Sauveur, Seigneur Dieu qui m'a créé, qui va m'accueillir dans son royaume, Seigneur qui m'a rempli d'amour, qui m'a rempli d'intelligence, bien, l'occasion de témoigner là, ben, il est constant en nous, il est constant d'avoir cette générosité du cœur, d'avoir ce sourire, d'avoir des paroles positives. Paroles positives. L'écrit dans les livres, même pas les livres non chrétiens. Qui vous dit quelqu'un, il y a mené un bouquet de fleurs pour, ou bien mené un paquet de bonbons pour. Ah, merci beaucoup, il touche mon cœur, il a fait ce geste-là. Même si je n'aime pas le bonbon, ça dit, c'est une affaire pour moi. Paroles positives. C'est important ça. Paroles positif. Parce que la personne qui vient, qui donne à Oussa, ben, elle vient avec tout son cœur, tout son amour, mais Oussa ou la mettre ou l'esprit de Jésus à l'intérieur de Oussa, répondre comme ça. Ah, elle va dire, ah non, mais pour plaisanter, moi là, mais plaisante. Qu'elle plaisante, les gars. En fin de compte, la manière où plaisante, la fin blesse l'autre personne. Et quand fin blesse l'autre personne, la personne, est-ce que vous pensez, va recommencer à avoir de l'estime pour? Non. Il était dans son degré d'estime le plus grand, le plus fort. Voilà. Donc, pour parler de ça, pourquoi il parle de ça? Parce qu'il parle de la persévérance. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Des fois, nous traversons des moments où ça en est là. De monde, il crie sur nous. De monde, il fait mal à nous. De monde, il pousse à nous à bout. De monde, il harcèle à nous.
Ben, si nous, en face, nous répondons à lui du tac au tac. Du tac au tac. Ben, simplement, il est comme un plante qui est poussé, il est planté, il est là, il est enraciné dans sa vie végétale, il est enraciné dans la foi. Si à chaque fois, il y a un vent, il passe, il déracine à lui, il s'accordonne un coin, eh ben, où il va crever. Donc, il faut qu'il reste là. La patience dans cette vie à accomplir. La patience de répandre et de partager. Et peu à peu, sur ce chemin-là, ce chemin de persévérance, la vie en moins, ben, il découvre, il sort de là comme une vie de toute chair. Quand on est au service de la parole de Dieu, quand on est au service de Jésus, comme il ne dit pas des bêtises, comme il fait le bon enfant du monde, fait bon garçon, ben, mieux. Minen a la vie, non seulement pour moi personnellement, Marcel, mais minen a la vie pour toute l'humanité, pour toutes les personnes autour. Elle dit, il y a un gars qui sort là-bas, la joue à Marcel. Enfin, il dit, Marcel, peut mettre votre prénom à la place. Hein. Il n'a pas dit rien, il a regardé, il a le balancé sa tête, il a dit, sois béni pour tes paroles. Mais jamais me le répéter comme ça. Et le petit marmaille qui passe là, dit, gars, ça dit, ouais, c'est peut-être un exemple à suivre un jour. Si moi l'ai agressé verbalement par quelqu'un, mais pourra peut-être faire comme Jésus. Jésus, regarde la femme adultère, elle dit là, hein, la femme adultère, elle était surpris. Jésus, que ça a fait, il y a six, il écrit à terre. Après, il laisse les choses arriver. Et c'est ça la persévérance. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Il ne dit pas plus que ça. Et chacun de nous, à la suite de Jésus, nous porte sa parole, son amour, son enseignement. Et Jésus, ben, il est le chemin, la vérité et la vie, et il l'a donné jusqu'à l'arbre de la croix. À nous, est-ce qu'on est capable de faire pareil? À trouver demain. Bye bye. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Son fils en secours. Tu peux dire non, tu peux.
peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. 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 Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc, il nous donne sa chair et son sang. Et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia. 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 Oh des cieux, notre Dieu a vu nos misères. Il envoie son Fils qui descend et nous libère. Fais de tout son amour, il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit, mon père est aussi votre père. Il nous a tout donné, même son père et sa mère. Et dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. À la vie. Oui à la vie. À la vie. Oui à la vie.